Bon, c'est parti, les amis. On rejoue encore un peu Jhin, hein. Je suis désolé. C'est la méta, malheureusement. On est en plus contre une compo à base de Kog. Je vais changer le staff cette fois-ci. Je peux partir sur full létalité. Ah! J'espère qu'il va revenir. Je peux partir sur full léta. Je pense que je vais faire un item léta et après crit. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire genre. Attendez, je réfléchis. En fait, soit je fais Dracta Rapid Fire. Soit je fais Yumu UE. Est-ce que j'ai besoin de mobilité contre leur compo? Un peu. Contre Kog'Maw c'est pas trop mal, après il me faut surtout des dégâts. Je sais pas, on verra. On verra ce que je vais faire comme Steph. Le truc c'est que je suis avec... Oh là là, le... Oh là 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 là. Oh là 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 là, le Steph qu'elle a... Bon, ça promet hein. Puis on joue contre IQ, il y a Perks aussi en face sur Azir. Ça s'annonce un peu compliqué. Jhin contre Kog'Maw en fait c'est très dépendant de la lane. Vous faites tout ce qu'elle assez enfin de manière assez importante. Merci à toi pour ton sub et bonjour mon ami. Oh là tu l'as eu. Ça va, il m'a pas mis tant de dégâts que ça, ça va. Donc ouais, en fait vous faites tout ce qu'elle assez sévèrement. Et l'avantage étant qu'en lane vous pouvez assez le bully. Le problème c'est que j'ai pas le meilleur support pour faire ça. Et merci à toi Sir Victor pour ton sub, bienvenue à toi bro. Le problème c'est quoi, étant donné que j'ai pas assez de... Enfin j'ai pas le bon support pour vraiment aller chercher le bully sur Kog en lane. Ça peut s'annoncer, la game peut s'annoncer assez compliquée pour moi en fait. On va voir, la dernière fois que j'ai lane avec quel support c'était vraiment naze. Genre vraiment vraiment naze. Elle a l'air de mettre un peu plus de pression quand même. Son starter me fait un peu peur. Ok, la console son auto. Il s'est enfermé là. Il joue Warlord sur Kog'Maw, c'est pas mal, ça va lui faciliter la lane. Et le scaling sera vraiment réduit. Ok. Heureusement que Gragas l'a pas flash. Je sais pas pourquoi il l'a pas flash. Je suis content qu'il s'est 150 là. Le truc c'est que oui, tu n'as plus de potion. Bah bro Kyle, je vais utiliser une pote moi parce que c'est possible qu'ils tentent un petit dive. Si dive en théorie ils vont plutôt dive Kyle. Mais ils peuvent la dive et après ils vont chercher le dive aussi. Oh merde, elle a été aussi. Oh mais non, arrête. Je perds trop de creep. Je joue plus aggro sur Kog là. C'est quand même que mon support a plus d'HP, ils vont plus jouer agressif. Flash sur Morgue. Il leur reste le heal. Nous on a encore l'exhaust. Ok, Gragas mid. Il a pas mal de dégâts, hein. Il a utilisé sa potion. Plus de potion sur Morgana non plus. Et hey, merci à toi mec. Pourquoi ne pas jouer Kaista un peu? Bah justement je vais la jouer, merci pour ton sub. Je l'ai joué derrière la game d'avant mais ça a remake donc c'est pas de chance. Et là c'était vraiment faiblard, je marque pas. Oh fuck. Parfait. Je le tuais pas en fait, il manquait mon Q mais il a flash en respect. En gros j'avais pas assez de dégâts pour le tuer avec le crit. Qu'est-ce qu'elle fait? Il manquait mon Q spell. Mais si je faisais flash, Q spell critique il mourrait. Et du coup il a respecté ça, mais du coup la flash pour rien, donc ça me rend assez heureux. C'est vrai qu'on est très sensible au gank là. Show and break. Moi je vais stay hein. Elle peut back elle, mais moi je vais stay, j'ai encore mon flash. Là je peux vraiment une DCS et en fait tandis que j'ai pas mal raté mon farming early, j'ai envie de récupérer le retard que j'ai. Ah, il se fait tuer mid. Ok, nice. Il voit Rojo, ils ont l'air de bien s'aimer, c'est parfait.
sous les ganks. Alors, je pense que j'avais pas besoin de le flash, je vais react. Après il y a une TP derrière. Ah oh. Non. Tout mes sbires, après ça va. Il TP, il me donne un kill, donc je pense que je peux... Ah fuck, on aurait plus dive. Effectivement, on aurait clairement plus dive. Je pense que je peux lui laisser le petit kill. Hein. Du coup, est-ce que je pars sur la létalité quand même? Non, on va partir tanky, Azir aussi, on va partir sur la léta. Premier item létalité, après je vais partir crit. Bon, j'ai perdu pas mal de CS, j'ai pas super bien farm, mais Grumble m'a pris genre une bonne dizaine de creep. Du coup, j'ai 12 CS de retard. Bon, c'est quoi cette itemisation? On va faire quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas ce qu'elle va faire avec tous ces trucs. Bon, elle en aura besoin forcément à un moment ou à un autre, mais. C'est très particulier ce qu'elle fait. Pètes-tu suffisamment? J'essaye, mec, j'essaye, mais. Malheureusement, dans la société actuelle, c'est pas super bien vu de péter. T'as beaucoup de jugements et tout, et du coup je me sens pas forcément à l'aise avec mon corps à cause de ça. Mais j'essaye de pratiquer la religion du P, ouais. Autant que possible, du moins. Merci pour ton sub, mec. Enfin, ton resub de 16 mois. Ah. C'est pas bon, ça. J'ai le temps d'auto-attaque. Putain, il est tellement tilté, mid. La Morgana est un peu nulle. Oh, il casse les couilles. On met une bonne pression au bot. Je suis pas vraiment pas satisfait de mon farming là pour le moment. On va devoir rater un creep. Ah là, il va vouloir FK. Oups. 2 points D. Bah écoute, c'est exactement le genre de personne que j'ai envie de croiser dans mes games, ça. Nice par contre. Complètement raté ça. J'ai plus de flash, ils ont récupéré le flash sur Morg, peut-être sur Code aussi. Faudrait que je fasse gaffe avec le level 6 de Morgana. En fait dans l'idée faudrait que je mette suffisamment l'eau pour qu'ils puissent pas nous flash in. Pour ma lutte. En fait si, une fois que Morgana est niveau 6, si on se souvient par Parias qu'elle me flash in, je peux pas survivre en fait. Laisse le back. C'est diveable hein, si quelqu'un veut venir. Petit Q-spray histoire d'aller chercher le POC. J'aurais pas du Z. Allez! Nice! Il y a un Azir dans le coin. Je suis bientôt la mana pour ult. Ah, c'est trop tard, ça a été tiré. Hein. Stepping dans le bush. Ah, il est insupportable! Il faut push la wave là, bro! Ne fais pas ton enfant enfin! Hop.
Alors j'ai pas ping. Ah, ça vous fait vraiment chier qu'il ping comme ça? Moi je m'en fous en fait, enfin je m'en fous. Je préfère savoir ce qu'il a et connaître son état mental, tu vois. C'est plus intéressant, je trouve. Enfin, plus intéressant. C'est plus important pour la victoire en fait. Parce qu'en gros, plus le mec tilt, plus je sais qu'il va falloir le ménager, moins il tilt, et plus je saurais que je pourrais me permettre des trucs, tu vois. On va partir du coup sur Rapid Fire. Ah. Désolé. I go Michael Rush, ça va start dans this game. Ok. C'est pour ça qu'il a acheté autant de trucs comme ça, autant de champs fériques. Il en a encore 3 dans son staff. Hein. La mana, c'est sa passion. Noir dans moi. Non. Quel con. Oh, je l'ai raté. Ça, je m'en veux par contre. Où est-ce que tu pensais aller, bro? Ça, je m'en veux vraiment d'avoir raté. En gros, mon move, mon flash était vraiment pas nécessaire. Et c'était ok si je touchais le roots. En fait, ça me permettait. De sortir de la range du stun et revenir et après le tuer, tu vois. Le problème, c'est que franchement, quand je rate le W, mon flash est vraiment mauvais. Parce que mon flash était pas du tout nécessaire. Il y a encore tout sur Kai. J'étais clairement pas en danger de mort. Mais je voulais aller chercher le kill en fait. Je pense que ça augmentait nos chances de prendre le kill en faisant ce flash là. Mais ça vient de monter quand même, good job. J'ai pas mal. Ça m'embête quoi. On a eu le force de la tourelle ou pas? Je peux faire attention. Ils ont détruit mid il y a un moment, je pense. Ouais, ils ont détruit il y a vraiment un moment. On va faire des bottes de vitesse. Ok, mais. Je sais pas si c'est vraiment le meilleur truc de swap, honnêtement. Je pense que c'est pas le meilleur timing pour swap. On va voir, mais. Je pense vraiment pas que c'est ouf. En gros, pourquoi je trouve pas ça que c'est ouf? Parce que bot, on a la domination assurée à 100%. Et que le back en lui-même était pas insane. Vous voyez, on perd pas mal là. Enfin, y a pas mal de farms qui sont perdus. Et c'est ça, plus le fait que en face, c'est Gnar et. Gnar, mais je l'ai plus Gragas. Autrement dit, en termes de 2v2, bah il nous éclate en fait. Du coup, on va perdre tout le lead qu'on avait top. Enfin, qu'on avait bot. Et lui, en bot lane contre la. Enfin, mon rumble contre la bot lane, je pense pas qu'il puisse faire quoi que ce soit. J'aurais pas l'ulti. Ok, après, si il swap, c'est pas mal. Okay, on peut pas faire grand chose pour l'instant, faut qu'il dépêche vite que quelqu'un vienne. Ouais. Oh là, lui était pas prévu. Oh là! Oh, les dégâts qui collent. Nice, j'ai snipé. Parfait, la punition est huge. Bon, ça fait juste 2 pour 2 pour l'instant. Non, non. Ouais, il faut 2 W pour le tuer encore. On y est pas. Oh là là, le monstre. On pourra prendre cette tour, je pense pas. Ouais, je vais mettre le crit, je vais partir avec le bonus MS. Ah, une ward dans le bush. Non, je peux voler. Peut-être une pin dans le bush.
connard en plus. Oh! Putain, la monstre. Il a tué les deux derrière. J'attends qu'elle ait un heal. Dès qu'elle a un heal, j'y vais. Ok, ouais. Ouais, play Kyle. Ça va, elle joue bien. Beaucoup plus plaisant que la dernière Kyle avec laquelle j'avais joué, hein, qui avait vraiment servi à rien. Ouais, elle joue bien. Et elle soigne de fou, genre, sans venir. Up. Ok. Ok, j'attends de trouver une opportunité. Juste à éclairer ça là. Hop là. Bah voilà. Je vais courir parce que c'est peut-être pink dans ce boss, je suis pas sûr. Après j'ai la dracteur activée donc là on boit pas donc c'est ok. Je peux école tranquillement, j'ai mon rapid fire. Avancer sur mon IE maintenant. Pas le meilleur bac, je pense que je vais vendre ça pour avoir du crit. Faut que je cours top pour aller défendre la T1. Je sais pas si j'arriverai à temps même avec mes bottes de vitesse là. Je pense que la tour tombe. Peut-être le kill. Ah non, on le tuera pas. Ah quoique. J'arrive, j'ai bientôt le rapid fire. Oh là là là, je suis trop bien dans la game. Hein. On fait un trop bon duo avec ma bro Kyle, hein. C'est un délire, hein. On est trop fort. Hein. Peut-être un petit red buff à choper en speed. Ah, si! Oh, c'est trop bien ça. Vayu c'était mon meilleur bro. Toujours là pour me sauver les fesses. Petite rédemption, petit Michael. Ouais ça c'est fait. Enfin y'a que lui pour tilt hein. Il envoie des FF et il sait même pas pourquoi, il est en train de taper une tour. Il tourne mid et il FF tout le temps, genre, juste pour montrer qu'il est tilté, c'est... Bon, faut se concentrer quand même, parce que la game, même si on est super bien, elle n'est pas encore gagnée. Ils répondent bien quand même, hein. Ils prennent des tours sur les sides à chaque fois. Genre là, t'es un bot, devrait tomber, je pense, Tugnar. Quand on go Tugnar, allez, ok, il se fait démolir. Est-ce que quelqu'un peut le hold Ils peuvent trionnage ou pas? Faut faire attention à ça, ouais. Faut faire attention à ça, hein. C'est très possible qu'ils sont en train de trionnage. Ouais, c'est sûr. Bon. Merde, il est mort. J'ai oublié de l'enlever. J'étais trop concentré sur le Nash. Hein. Et de le récupérer. Bon, je crois que ça ouvre. On peut prendre une là. Oh.
mes bros sont morts. Qu'est-ce qu'il fait, Kane? Ça, je pense être safe. Compliqué, je prends encore assez de dégâts sur la frontline. Couture Gazer, c'est tellement toxique lui. Je pense pas qu'il puisse nash. Hein. Je vais juste prendre la vision. Ok. Gnar il casse les couilles aussi. Non, je peux pas prendre la ward. Recharge vite! Okay, ça va. Non, je peux pas. Je peux pas nash. Le timing est trop mauvais. Oh là là, il est tellement chiant, c'est un délire. Hein. Je suis beaucoup plus mal avec Lio là. Je cache les votes FF. Ouais, good job. C'est un enculé, mais s'il fait des moves, autant lui dire good job, comme ça peut-être il fermera un peu sa gueule. Ah, j'arrive là, mais. Il a pas de black shield, ouais mais il sait qu'on arrive ici. C'est chiant. Allez, je vais traverser. Ok, j'ai tout touché. Touché le dernier sur la as aussi, mais ça a rien fait. Go go, on peut. Ils sont low. Y'a Gnar par contre ici. Ah, on va tester spot pour une ward. Vite. Ça va, nickel. On s'en sort, ma bro. Nickel. Du coup non, j'ai plusieurs choix. Ils ont un peu d'armure, je vais faire un petit chasse whisper avant. Parce qu'il y a de l'armure sur lui, étant donné que j'ai des et de l'armure sur Azir aussi, étant donné que j'ai une létalité plus Draktar, ça me fait quoi? Ça me fait 42 de létalité. J'ai réussi avec un petit chasse whisper, ça montrera pas mal mes dégâts et après je ferai. Je sais pas ce que je veux faire après. Je vais peut-être pas faire Essence River, je pense que je vais peut-être go genre Devdance ou BT. En train de solo le Drake, qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas besoin de QSS, tandis que j'ai Kyle avec son scimitar. Je vais push la wave. Premier Drake fait à 25 minutes de jeu. Cette wave avant qu'il la wave clear vite. Il me faut moins les cac. Nice, il a fait ça pensé vite. Hop, on met des petites fleurs pour tenter le gauge. Fier de moi là, j'aurais pu les démolir et je les ai juste bien amochés, mais j'aurais pu tuer Azir en plus. C'est vrai que j'ai tué mon dernier crit sur Gragas, du coup il est mort. Go reset, je pense. Je suis pas trop back ici. Un petit last whisper. On va partir sur ça pour l'instant. Je sais pas trop ce que je ferai avec. En fait, là, je trouve que j'ai plusieurs choix. J'ai le choix entre
Je peux potentiellement faire Scimitar mais j'ai pas envie. Je peux faire Essence River. Essence River serait pas mal. Et en termes de dégâts, ce serait la meilleure solution. La BT me donnerait pas mal de survivabilité. Je pense que je vais go Essence River. Du coup, mon item ça sert à rien. Mais en gros, j'ai déjà pas mal de sustain avec Kyle. Plus mon Warlord. Je vais go Essence River, je pense. Peut-être terminer mon Last Whisper avant, je sais pas. Je vais buff la wave. J'ai mon flash et tout encore. Nice. Ça va pas être ici là. J'ai pas envie d'ulti tout de suite, je suis pas super bien placé. Et voilà. Et c'est la win. Bah c'était propre je trouve hein. Franchement je trouve que c'était propre hein. Je trouvais ça c'est propre. Très bon taf de Kyle aussi. Honnêtement j'avais pas mal d'a priori sur Kyle support parce que j'en avais vu qu'une seule. Et c'était c'est un mec qui était vraiment naze dessus. Là il a vraiment fait un bon taf je l'honore. Honnêtement elle était très très impactante. Juste le farm early qui était pas ouf. Sinon c'était la game était propre. Non ouais c'était Xtreme. 3 honneurs ou 4? 3. Des dégâts pas insane. Ah oui, on va report lui parce qu'il était très chiant. Ah si, 4 honneurs, voilà, nice! Encore une game où tout le monde honore, great captain et tout. Nice! Ça fait plaisir. Bon. Le stuff était pas mal. Le truc étant qu'étant donné que j'étais en snowball, c'était ok, je faisais pas les dégâts ouf. De toute façon c'est simple, hein. Sur les squishy je fais plus mal avec les TT, sur les tanks je fais beaucoup plus mal avec le crit. Quel fat kit, nickel note, quel engine was ok, sorry sorry, only fat jungle and top. Quel AV9, engine 1v6. Il est attardé hein. Qu'est-ce qu'il raconte. Bref, le stuff est ok, je pense que après avoir à tester vraiment en partant full crit. Peut-être qu'un item l'état c'est trop. On peut faire la Yumi aussi à la place de la Draktar. Moi je préfère Draktar parce qu'en fait le boost de dégâts plus le fait que tu sois pas, enfin t'as cette capacité d'aller déwarder et je trouve ça super fort. Surtout qu'à souvent tu l'as en lane, enfin tu l'as pendant ta lane. Et du coup tu peux abuser de l'anti-ward, des bush pour proc le passif. Je trouve ça vraiment fort en premier item. La Yumi te permet d'avoir plus de pression sur la map quand même avec la mobilité. Mais sinon voilà, je pense que c'était une game correcte. Ça va pour une game de Jhin. On me pardonne, ça a 10-0-11, la game était propre, on a démoli Perks, on a démoli EQ à des carry OLCS, rappelons-le quand même. J'aimerais bien savoir le nombre de LP que j'ai win, plus 15, voilà on récupère les 600 LP comme prévu, des bisous à vous YouTube et à la prochaine. Tchuss.